Dans la livraison de la passerelle piétonne du lycée national Léomba, une question qui vaut tout son pesant d'or à l'approche de la rentrée académique 2024-2025. Ici, les piétons s'exposent encore au risque d'accidents mortels et continuent d'attendre la livraison de cet ouvrage qui a récemment subi les représailles de la task force. Donc, suite à cela, il y a eu un rapport des sapeurs-pompiers qui dénotait quand même quelques manquements, notamment les rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite et puis l'exposition au feu. Donc il fallait répondre à toutes ces préoccupations. Il y avait aussi d'autres insuffisances concernant l'entreprise, donc notamment les paiements qui ne suivaient peut-être pas. Et ça aussi, ça peut retarder le projet. Ces mesures qui seront applicables au lycée Paul Ndjenjen Gondjou permettra de faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite. Financé à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA, ces œuvres architecturales réalisées par l'entreprise EcoWood, expérimentée dans le domaine technologique innovant, est également un moyen de valoriser les essences forestières du Gabon. L'ensemble des éléments qui supportent l'ouvrage, ce sont des tirants en inox. Et ces tirants ne se trouvent pas ici, tout est importé en Europe. D'où un peu le coût de l'ouvrage. La direction générale a vérifié et a estimé que l'ouvrage peut être réceptionné provisoirement. Donc dans les prochains jours, on va réceptionner provisoirement l'ouvrage, on va dresser un PV et ensuite l'autorité contractante passera pour mettre en service l'ouvrage. Construite essentiellement pour la sécurité des apprenants lors de leur traversée, les passerelles piétonnes des lycées d'État et Léomba apparaissent comme une solution aux accidents mortels dont étaient victimes ces derniers. Par ailleurs, plusieurs zones accidentogènes ont été identifiées dans le Grand Libreville pour l'installation des passerelles par le ministère gabonais des Travaux publics en vue de minimiser les accidents de la circulation.